Good morgen, allez, Iden, les sucres aujourd'hui, le Lunishmat Avram, Mordechai Ben Yitzhak, Befani, ainsi que deux fois, Tarava, Rouchmuel, Ben Ela, Betor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions Masechet Moed Katan, Perek Aleph, Mishnah Zain. En Nosim, Nashin, Bemoed, Lo Betulot, Velo Almanot, Velo Meya Bemin, Mepinesh et Simchailo, Aval Marzir ou Et Girushato, Veosa et Isha Tarchite à Bemoed. Rabbi Yehuda Omer, lo tasud mi pene shenivul hu la. On fait une petite pause avec les halachot des morts et des enterrements de la moed, Baruch Hashem, avec quelque chose d'un peu plus joyeux, qui me dit que en nosim nashim bamoed, on n'a pas le droit de se marier avec une femme pendant la moed. Lo betulot, ni des femmes vierges pour la première fois. Velo almanot, et ni des veuves, même si finalement c'est déjà un deuxième tour pour elle comme pour lui. Malgré tout, c'est interdit. Velo Maya Benin, on ne fait pas non plus le hiboum lorsqu'il y a eu un frère qui est décédé sans enfant, que son frère vivant a une mitzvah de prendre sa femme pour se marier avec elle. Il ne pourra pas faire le hiboum pendant Chol HaMoed. Toutes ces raisons pourquoi, Mipene chez Simcha Elo. Parce que c'est une joie. Vous allez me dire, et alors quoi, c'est quoi, on en est tous en deuil. On me dit dans la précédente qu'il ne fallait pas être triste pendant Chol HaMoed. Au contraire, alors on a une belle occasion de joie. Oh, en fait, on veut que tu sois joyeux pour la fête et pas pour autre chose. C'est-à-dire, on veut que tu consacres ta joie. De ta simcha d'yom tov, samarta becha gecha. Tu te réjouiras de ta fête. C'est-à-dire, c'est pas que tu vas te réjouir pendant la fête d'avoir autre chose. Si tu te réjouis d'avoir gagné un match de football, c'est pas de la simcha de la fête. Il faut que tu te réjouisses de la fête. D'accord? Donc, du coup, on n'a pas le droit de. Pour ne pas mélanger aussi, c'est le même principe, parce que Enmer. Il y a plusieurs, il y a quatre habits dans la Gemara en fait. Il y a un des rabbins il a rapporté juste samarta becha gecha, en mentionnant au début que Enmer vin simcha cheret be simcha taregel. C'est deux avis en fait dans la Gemara. Mais le Enmar Bevin Simcha Besimcha, il ne faut pas faire de mélanger deux smachot différents. Genre, chaque fois que tu as un devoir de te réjouir pour une quelconque raison, tu te réjouis, pour ça tu ne fais pas autre chose. Tu fais un Sheva Brachot pour lui, tu fais un Sheva Brachot, et après tu fais la Bar Mitzvah de l'autre. Tu ne fais pas dans une même Seouda, un Sheva Brachot et la Bar Mitzvah, et après les gens, on veut que tu t'épanouisses, que tu fleurisses dans la Simcha que tu es en train de faire, que tu te sentes bien à l'aise, que tu sois. Tu te réjouis de ce qu'il y a. Si tu as 50 raisons de te réjouir en même temps, tu te réjouis pour plus aucune finalement. D'accord? Selon ce principe. Donc, quand c'est le moment de se réjouir pour la fête, tu ne fais vraiment pas de fête. Tu dis merci à Hachem qui nous a fait des missions à cette époque-là. Quand c'est le moment de faire un mariage, tu te réjouis dans le mariage. Et pas que tu me fais un harwed, comme on dit. D'accord? On ne mélange pas tout. Et non, c'est une Hachim, ben ouais, donc on ne se mariera pas donc avec une femme, quelle que soit la femme. Même si finalement, c'est elle une veuve ou une divorcée, lui aussi. Et finalement, il y a malgré tout de la joie quand ils vont se marier, donc c'est interdit. Par contre, à la Marzéro et du Gros Château, il a le droit de se marier, de se marier avec sa divorcée. C'est-à-dire, si un homme, il a divorcé sa femme, et finalement, quelques temps après, ils ont envie de se remarier. Ouais, comme quelqu'un dit une fois, une phrase de Chachama, d'abord je fais une même phrase. Il a le droit de donc il y a la Marzéro et du Gros Château, il a le droit de se marier avec sa femme, parce qu'il y a moins de joie cette fois-ci. Ils se connaissent déjà, il n'y a pas tout le plaisir de découvrir quelque chose de nouveau, au contraire. Donc là, c'est bon, ce n'est pas quelque chose qui va lui préoccuper de trop son cœur et sa tête. Il va pas entraver la joie de son Chol HaMoed. D'accord? Je voudrais nous dire une alcha, un rave connu en Israël, un Shishiva Khashou, qui avait divorcé sa femme. Et après, il s'est remarié avec sa femme. Et tout le monde a dit, alors pourquoi tu l'as divorcé? Il a expliqué en fait, non, malheureusement. Il a dit en deux mots, il a dit comme ça, pour un Zivug Sheni, c'est une super femme. Les gens, quand ils sont mariés pour la première fois, ils veulent avoir tout, que ce soit tout très bien. Quand après, finalement, on a divorcé, on doit se rechercher quelqu'un d'autre, on va toujours trouver quelqu'un avec un problème, avec des difficultés, tout ça. Parmi les moins graves difficultés, c'est de reprendre finalement son ancienne, telle qu'elle était, avec ses petits défauts, ce sera toujours moins pire que d'avoir quelqu'un de nouveau, avec de nouveaux enfants, avec de nouvelles prises de tête. Donc du coup, c'est... Voilà. Veosa et tarchitea bamoed. Veosa et tarchitea bamoed, à part ça. Une femme, elle a le droit de faire ses tarchitim, de s'entretenir, de s'entretien corporel, toutes sortes de maquillage, de se couper les cheveux, de se maquiller. Même si c'était. Aujourd'hui, on fait ça vite fait, mais à l'époque, c'était tout un travail, ça demandait du temps. Malgré tout, elle a le droit de le faire, parce qu'au contraire, c'est une joie pour elle de se faire belle. Ok? Ça, c'est la vie de Tanakama. Cependant, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, lo tasud mi pene shenivul hula. Rabbi Yehuda nous dit, non, elle ne pourra pas faire le soud, le sid, c'est l'épilation. Il faisait avec de la chaux à l'époque. Elle pourra le faire, elle pourra pas faire, pourquoi? Parce que c'est du nivul hula. Comme dit le Bartanora, c'est du tsar. Là, c'est une question importante.
comme on dit, il faut souffrir pour être belle. Pour pouvoir être belle et bien épilée, elle a besoin de se mettre des produits sur le corps qui vont lui brûler, qui vont lui faire mal. Quand les femmes font la moustache, des fois avec la cire, elle récupère une moustache rouge pendant 2 jours jusqu'à que ça passe. Donc, d'où la question, elle a le droit de faire ça pendant Khala Moed. Elle fait ça, s'épiler, ça fait mal. Quand elle va arracher, ça brûle. Ça. Mais d'un autre côté, c'est nécessaire pour être belle. Alors, est-ce qu'on le garde Nekudati, momentanément, là, sur ce coup-là, là, t'es en train de souffrir, on me regarde sur le long terme. C'est vrai, tu souffres tout de suite, mais demain, tu vas être bien content de l'avoir fait. C'est la marquette, en fait. Selon Khachami, ils vont dire non. Au final, t'es content de l'avoir fait. La biodé dit non, sur le moment, c'est trop dur, c'est parfois insupportable. Donc, t'as pas le droit de le faire pendant la mode. Ok. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.